l'heure de l'espoir. Avec nous. Amen. Moi, faisons un constat entre premier culte et deuxième culte. Il semblerait que mon premier culte n'a pas quoi que Jésus ressuscité. Parce que moi, ouais, mon deuxième culte, il a chanté avec beaucoup de monde qui est vivant et qui a célébré le jour de la résurrection de Jésus qui est vivant. Mais je ne dis qu'elle n'est pas ça. Moun ki nan premier culte pou te manger, mais nous même nous fin manger. A dit nous gagner plus force, nous ka chanter avec toute force nous. Donc nous content pour nous la matin nan jour ça pour nous capable célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et message matin li gagner pour thème la merveilleuse victoire. Dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 7, n'a pas lu le texte. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 7. Pasteur Michel est en train de lire le texte pour nous, mais n'a pas lu le encore. Matthieu chapitre 28, est-ce que tout le monde joue? Si nous jouons, n'a pas lu ensemble. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Amen. Lorsque Jésus à la croix t'est expiré en prononçant ces paroles, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça t'est fait grand scandale. Ça t'est réjoui plus d'eux. Puisque Jésus-Christ est mort, c'est fini.
L'apôtre Pierre allait quitter Jésus. Les autres apôtres, ils ont quitté lui pour contre lui. Puisque mettre la mouille, eh bien, tout le bagage est fini, on nous recommence dans la même activité. Nous. Les leaders religieux, les pharisiens, ils pensaient que c'est fini. C'est fini avec ce blasphémateur. C'est là qui dit que c'est petit pour Dieu. C'est là qui présentait tête comme étant le roi d'Israël. Nous finissons avec lui. Les soldats qui ont crucifié Jésus, ils ont été réjouis parce que ils ont fini humilier cet imposteur. Et qu'on y est allé mourir, tout bagage fini. Satan, avec ses anges déchus, ils ont crié la victoire. Crier la victoire parce que, avec la mort de Jésus, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Puisque Jésus finit, tout bagage est fini. Et puisque Jésus-Christ mourit, toute salle de Dieu pas gagné qu'une force. Parce que, lui mourit, nous finit avec lui. Alors que, tout coussaillot, il a préjoui de la mort de Jésus. Parce que toute bagaille est finie. Mais la Bible dit, le troisième jour, dimanche matin, bien bonheur, Jésus est ressuscité parmi moi. Jésus pas dans le tombeau encore. Et tout le monde qui a pensé que vous avez gagné victoire, vous avez rendu compte que c'est Jésus qui a gagné victoire. Vérité centrale, message matériel, c'est pour apprendre nous que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la merveilleuse victoire sur tous ses ennemis. Jésus-Christ gagné victoire. Et message matériel, c'est pour présenter aux trois raisons qui font résurrection Jésus. C'est une résurrection victorieuse. Première raison, c'est que nous avons des évidences incontestables concernant la résurrection de Jésus. Deuxièmement, résurrection de Jésus est importante parce que c'est une merveilleuse victoire, parce qu'elle est importante pour nous-mêmes, chrétiens. Et troisièmement, résurrection de Jésus est une victoire. Parce que la victoire de Jésus a des implications pour nous. Premièrement, première raison qui fait que nous dit que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la merveilleuse victoire sur ses ennemis et sur nos ennemis. C'est parce que la résurrection de Jésus gagnait des évidences incontestables qui montraient que Jésus-Christ lui remportait la victoire sur ses ennemis. Les évidences, lorsqu'on parle d'évidences, c'est le caractère de ça qui est évident, de ça qui est clair, de ça qui est certain. Et selon la théorie rationaliste de la vérité, ce qui est vrai, c'est ce qui est évident. Donc, comme critère de vérité, c'est l'évidence intellectuelle. C'est ça que nous sommes capables d'avancer avec force, avec argument. Ça, capable de preuve de la vérité. C'est Descartes qui dit nous que le bon sens ou bien la raison reconnaît immédiatement la vérité des idées claires et distinctes. Donc, parler de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas une fable. C'est un fait. L'évident. Et nous allons considérer plusieurs évidences concernant la résurrection de Jésus-Christ. Première évidence,
c'est l'histoire séculière. Beaucoup d'historiens non chrétiens, dans leurs écrits, témoignent la résurrection de Jésus. C'est le cas de Cornelius Tacitus. C'est le cas de Lucien de Samosata. C'est le cas de Flavius Joseph. Ils tous admettent que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Les sources et les traditions juives et romaines lui confirmaient la résurrection de Jésus. Et Flavius Joseph, qui est historien juif de ce temps, lui compilait près de 6 siècles d'histoire concernant les juifs. Et dans l'histoire, ça lui dit avec péremptoire que Jésus-Christ était ressuscité. C'est en ce sens que le docteur Paul Mayer lui fait cette déclaration et m'a cité. Le fait que ces hommes non chrétiens, ces hommes qui n'ont aucun rapport avec l'histoire chrétienne, le fait que ils ont tous rapporté que Jésus-Christ est ressuscité, il dit ça, c'est l'évidence positive d'une source hostile. L'évidence positive d'une source hostile. Des mondes qui m'avaient entendu parler de Jésus, mais l'histoire imposée sous base de la vérité pour déclarer dans leurs écrits que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité. Non seulement l'histoire séculière rapportait la résurrection de Jésus, mais aussi l'histoire religieuse rapportait la résurrection de Jésus. Si vous regardez avec moi dans Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 27, versets 63 à 66, nous parlons de toute disposition que les leaders religieux ont pris après que Jésus-Christ fut mort, il y a le côté le gouverneur romain, pour Pilate, pour Mandeli, pour lui prendre des mesures draconiennes pour empêcher que Naksa, qui te dit qu'il a ressuscité le troisième jour, pour que lui pas ressuscité. Matthieu 27, verset 63 à 66. Le verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Voici les mesures des leaders religieux en complicité avec des leaders politiques qui ont pris pour que Jésus-Christ ne soit pas ressuscité. Et regardez avec moi au chapitre 28, les versets 12 à 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. La résurrection de Jésus, c'est le triomphe de la vérité sur le mensonge. Malgré toute sa leader religieuse fait pour fermer pour soldats, pour ne pas dire que Jésus est ressuscité. Mais la Bible dit, parole là te répand de tous côtés et tout le monde te connaît que Jésus te ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est une évidence. Nous voyons que l'histoire séculière lui rapporte ça. L'histoire religieuse lui rapporte ça. Mais il y
y a d'autres évidences dans la Bible concernant la résurrection de Jésus. Troisième évidence de la résurrection de Jésus, c'est Washington qui t'est roulé. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 2, la Bible dit, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Côté soldat. Côté soldat. Zange bon Dieu vini, li roule roche là. Parce que lorsque bon Dieu déploie puissance li, pas de puissance qui a fait force avec puissance bon Dieu. Roche dans li roule, c'est une évidence que Jésus Christ li te ressuscité. Parce que Jésus qui te dans tombe nan, faut que roche dans te roule. Pour que Jésus te capable de sortir vivant parmi vous. Quatrième évidence. Quatrième évidence, c'est le témoignage des femmes. Dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7, nous trouvons que ces dames, Marie de Magdala et l'autre Marie, ils ont couru aller pour regarder le troisième jour ça qui passait. Et là, arrivé, ils ont été roche dans roulé. Et anges ont dit, yo, pour nous-mêmes, nous pas besoin de peur. Pas à chercher Jésus qui vivant parmi moi, il n'est pas dans ton bon encore, il est vivant. Et elle dit à frère Lio qu'il n'est pas dans ton bon, il est vivant. Le message de l'ange aux femmes, il y a quatre composantes que nous avons regardé avec moi dans Matthieu chapitre 28, verset 5 à 7. Première composante, c'est le verset 5. L'ange dit à la femme, pour vous, ne craignez point. Regardez avec moi au verset, 20, au verset 4e de Matthieu 28. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ça passe, soldats, ils ont peur, ils ont tremblé. Mesdames, ils étaient capables de prendre même panique, non, peur tout, à trembler. Mais le message de la résurrection, c'est un message de réconfort. C'est un message qui bannit la peur. Parce que le message de la résurrection, c'est le message de la joie. Pour vous, mesdames, si les soldats ont peur, mais pour nous-mêmes, mesdames, ça y est, qui croient en Jésus, nous n'avons pas besoin de peur. La résurrection de Jésus, c'est un sujet d'une grande joie. Pour vous, ne craignez point. Pour vous-même, je vous dis, le message de la résurrection, c'est un message de joie. Le fait que Sauveur l'ait ressuscité, c'est un message de joie. Nous ne pouvons pas pour nous peur encore. Nous ne pouvons pas pour nous peur la mort. Nous ne pouvons pas pour nous peur ennemi nous. Parce que Jésus déjà a remporté la victoire. Mon deuxième composante dans le message de l'ange. Deuxième composante, c'est il n'est pas ici. Verset 6. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Mesdames, vous devez reconnaître ça, que Jésus n'est pas dans le tombeau, il n'est pas ni mort, il est vivant. Si vous avez cherché Jésus dans le tombeau, vous devez reconnaître que Jésus est déjà vivant, il a remporté la victoire sur la mort, il n'est pas dans le tombeau encore. Troisième composante, le verset 6. B, il dit, venez voir. Venez voir. Et mesdames, vous venez, vous allez dans ton bois, vous constatez avec leurs propres yeux que Jésus-Christ pas dans ton bois encore, il t'est ressuscité. La quatrième composante de ce message, c'est le verset 7. Allez promptement dire à mes frères qu'il est ressuscité des morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Mesdames, vous devez aller avec ce message de joie pour aller rapporter aux autres disciples pour dire, yo, yo, pas besoin de peur. Jésus-Christ lui ressuscité. Frère moi, soeur moi, yo. Ça c'est évidence qui dit nous que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Nous gagnons quatrième composante,
La quatrième composante ou bien quatrième évidence, c'est le tombeau vide. La Bible dit, lorsque mesdames y ont été allées, y ont été ouais tombeau vide. Jésus-Christ pas dans tombeau encore. Écoutez frère et sœur, Jésus-Christ pas de carité dans tombeau parce que la place de Jésus-Christ c'est dans notre cœur. Si tombeau pas vide, je dis à cœur moi-même avec tout à pas vide, mais parce que Jésus ressuscité, nous tous qui croyons en lui, il vient habiter dans nous. La place de Jésus, la demeure de Jésus, c'est notre cœur. Et nous tous qui croyons en Jésus, Jésus-Christ habite dans notre cœur. Le tombeau est vide pour que je dis à que nous l'y remplis avec Jésus. Amen. Le tombeau est vide. C'est encore une grande évidence. Cinquième évidence, c'est le témoignage des femmes. Mesdames, vous êtes allées pour aller témoigner ça dans Matthieu chapitre 28, verset 8 à 10. Mesdames, vous êtes allées un message ça aux autres disciples pour dire que Jésus-Christ l'a ressuscité. Une sixième évidence, c'est les gardes. Monsieur, les soldats qui ont veillé Jésus, dans Matthieu 28, verset 11 à 15, il dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Monsieur, ils ont été témoins, ils ont vu l'événement que Washington était roulé et que Jésus-Christ est levé vivant. Ils n'ont pas capable de contester ça. Voilà pourquoi, messieurs qui étaient barreaux, l'ordre, puis à regarder le cavoua, ils ont été obligés de porter un message ça à barreaux pour dire que non, nous demandons pour nous veiller, et bien malgré tout ça nous fait, nous ne pouvons pas empêcher de ressusciter. Les gardes aussi ont témoigné de la résurrection de Jésus-Christ. Nous voyons comment, encore, comme évidence, ces différentes apparitions que Jésus-Christ lui fait. Jésus-Christ est paraître à Marie de Magdala dans Marc chapitre 16, verset 9. Jésus-Christ est paraître aux disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24, verset 13 à 15. Jésus-Christ est paraître à Pierre dans Jean 21, verset 15 à 19. Jésus-Christ est paraître aux 11 apôtres dans Luc 24, verset 36 à 41. Jésus-Christ te paraît à 500 frères à la fois. Il te paraît à Thomas le sceptique dans Jean 20, verset 24 à 29. Lorsque Thomas te dit, si je ne parle avec Dieu, pas moi, si je parle avec Macluyo, si je parle avec Macluyo dans mes lignes, dans mes pieds, je ne parle pas. Et lorsque Jésus-Christ paraît devant Thomas, Thomas, face à cette évidence, il n'est pas carré indifférent. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, Thomas te wèli. Thomas qui te dit si m'batouel, m'bap j'aime quoi? Thomas te weli, il criait devant Jésus. Mettez à genoux pour lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ te paraît à Paul sur la route de Damas. Lorsque Paul t'a persécuté, eh bien les chrétiens de Damas, Jésus-Christ te paraît à Pierre. Et dans Acte chapitre 9, nous trouvons l'histoire de Pierre. Même les disons bagaille, nous tous qui croyons, nous tous qui sauvés, nous avons aussi cette évidence. Le jour que nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons rencontré avec lui face à face. Nous avons expérimenté la vie de Jésus. Parce que si Jésus n'est pas vivant, je dis à moi-même avec nous, pas vivant. Et si nous vivons, nous avons la vie éternelle. C'est parce que Jésus est vivant dans la vie de nous. Combien de monde qui a évidence ça? Combien de monde qui a rencontré avec Jésus face à face? Je te wéli, pas avec ses yeux charnels, mais le jour de ma conversion, je te rencontré avec Jésus face à face avec mes yeux spirituels. Je te wéli, pas de monde qui t'a empêché que je dis et je suis convaincu que Jésus-Christ l'a ressuscité. Si un peu de monde va croire, je veux que vous-même, je dis, qui fait l'expérience de la nouvelle naissance, pour croire, évidence ça, que Jésus-Christ l'a ressuscité. Mes amis, mes frères, notre Sauveur, il n'est pas mort, il est ressuscité. Et nous avons les évidences. Nous avons les évidences pour cela. Le docteur John R. Rice dit, la résurrection de Jésus,
C'est un fait d'une ampleur absolument étonnante que littéralement des centaines de personnes aient vu Jésus après sa résurrection. Certains même à plusieurs reprises pendant un laps de temps de plus d'une quarantaine de jours. Jésus t'a fait un pile moun weli. Jésus est vivant, frère moi. Jésus est vivant, sœur moi. Et en plus de ça, les quatre évangiles ont concordé ensemble pour tout déclarer que Jésus-Christ est ressuscité. C'est une évidence, c'est une vérité incontestable que Jésus-Christ est ressuscité. Frère moi, sœur moi, l'affirmation que nous t'ai fait dans l'introduction du message, nous t'ai dit la résurrection de Jésus-Christ qui s'alliait, c'est la merveilleuse victoire de Jésus-Christ sur tous ses ennemis. Ça, c'est une évidence incontestable. Non seulement, comme vérité, nous avons les évidences de cette victoire, mais une deuxième vérité, c'est que cette victoire est importante pour moi-même, pour vous-même, pour tout le monde qui croit dans Jésus. Et il y a six raisons qui font que nous dit la résurrection de Jésus est importante. Parce que lorsque mon Dieu ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, premièrement, il montrait sa toute puissance. Là, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 54 et 55. Mais qui ça, l'apôtre Paul lui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55. Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ remportait la victoire sur la mort. La mort comme cet ennemi, le dernier ennemi des hommes, qui a gardé tous les hommes depuis Adam jusqu'à Jodia. La mort qui met tout le monde dans la tombe, mais il y a un seul monde qui allait dans la tombe, qui prend la clé de la mort et qui déclarait, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Laissez-moi vous dire, nous tous, nous t'es piqués par l'aiguillon de la mort. De même que yon abeille, lorsqu'elle est piquée, avec le dard de l'abeille, lorsqu'elle piquée, abeille ça, il va mourir, parce que, eh bien, piqûre ça, qu'il quitte dans le corps là, et bien c'est, il a dit, il est vital pour lui. Lorsqu'elle pique, lui-même, il va mourir. C'est même Jean, moi-même avec vous. Nous tous, depuis nous t'es fait, nous t'es piqués par l'aiguillon de la mort. Et nous tous, nous sommes des candidats qui va mourir. Nous tous, depuis Adam jusqu'à le dernier monde qui va mourir, coulière, la mort qui est meilleure dans la tombe. Mais les gens qui croient dans Jésus, la Bible dit, la mort n'a pas gagné victoire sur eux. La mort n'a pas gagné victoire sur nous. Pour qui ça? Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque bon Dieu t'est ressuscité, Jésus-Christ d'entre les morts, la Bible dit, il déployait toute sa puissance. Dans Éphésiens 1er, verset 20. Bon Dieu déployait puissance-là. Et une puissance supérieure à puissance l'homme de guerre pour qu'il mette tout l'homme captif. Bon Dieu déployait une puissance supérieure pour retirer Jésus d'entre les morts. Deuxième importance, c'est que la résurrection de Jésus lui validait la prédication de l'évangile. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 12 à 14. Mais ça Paul dit. Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, pour qui ça qu'on vient de l'église? Pour qui ça observe mon Dieu? Pour qui ça l'évangile a prêché? Il n'y a pas de valeur. Parce qu'on a servi un Jésus qui est dans la tombe, qui espoir qui gagne. Mais le fait que Jésus ressuscité, nous avons prêché l'évangile par tout le monde. Pour que les gens capable de convertir. Parce que c'est l'évangile qui a un message d'espoir pour l'homme dans le péché. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication n'est pas à vous en rien. Et troisième importance, si Christ n'est pas ressuscité, la foi nous dans Jésus n'est pas à vous en rien. C'est ça qu'il dit dans verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. Voilà le sacrifice qu'on fait pour servir mon Dieu. Valeur, avantage qu'on quitte pour servir mon Dieu parce qu'on a la foi dans Jésus. La Bible dit si Christ n'est pas ressuscité, la foi n'a pas de valeur. Mais parce que Christ est ressuscité, nous avons la foi. La foi, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Nous avons la foi dans mon Dieu, dans Jésus, parce que nous connaissons la foi dans Jésus, a fait nous régner éternellement avec Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, la foi chrétienne est vaine. Quatrième importance, c'est que la résurrection de Jésus lui confirmait le pardon de nos péchés. Dans 1 Corinthiens 15, verset 17, mais ça, Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Écoutez, ce n'est pas ça qui passe vendredi qui est important. L'important tout, mais ça qui parle de toute valeur, c'est la résurrection de Jésus. Parce que si Christ est mort, il était encore dans la tombe. Je dis à nous ne sommes pas capables de croire dans la promesse qu'il fait nous. Nous ne sommes pas capables de croire que, eh bien, si nous croyons en Jésus, le péché nous a pardonné. Mais parce que Christ l'a ressuscité, eh bien, nous croyons que ce qui est passé à la croix lorsqu'il te dit tout est accompli. Nous croyons effectivement que le péché nous a pardonné. Parce que Christ vit vivant dans la vie nous. Si Christ n'est pas ressuscité, la Bible dit, nous sommes encore dans nos péchés et par conséquent, nous sommes condamnés. Mais parce que Christ est ressuscité, nous ne sommes plus dans nos péchés et la Bible déclarait, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La résurrection de Jésus, elle vient comme cinquième importance parce qu'elle lui montrait que bon Dieu l'a agréé. Les satisfaits de sacrifice que Christ a fait. Parce que le sacrifice de Christ, il était fait pour satisfaire la justice de Dieu. Mais si Christ n'est pas ressuscité, nous ne pouvons jamais croire que bon Dieu te prend plaisir dans ce qui est passé à la croix. Mais parce que Jésus ressuscité, si bon Dieu déploie une puissance pour ressusciter Jésus, nous dit que bon Dieu était d'accord avec ça qui était fait à la croix, d'être péché nous effectivement payé. Et pour hier, bon Dieu déclarer sur chacun de nous qui croit en Jésus que nous justes, pas parce que nous avons fait péché, mais parce que Jésus t'a payé toute dette péché nous. Tout le monde qui croit en lui, la Bible dit, il n'a pas péri, mais il a gagné la vie qui n'a jamais fini. Gagner une sixième importance. C'est que si Christ n'est pas ressuscité, la Bible dit, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tenez bien, si nous ne croyons pas dans Jésus, ce n'est pas croire dans Jésus seulement, non, mais croire dans Jésus qui est vivant. Ah, mais pas rien, il a bien raison sur nous. Parce que relé nous tête marée. Il dit nous sommes les gens qui perdent feuille. Il dit que nous sommes les gens qui n'agissent pas par la raison. Il a fait toute tractation sur nous.
Si c'est seulement dans terre ça, dans l'espace terre ça, nous t'ai espéré, Bible dit nous avons plus malheureux de tous les hommes. Mais écoutez, parce que Jésus ressuscité, il transcendait cette réalité présente pour nous une réalité à venir, une réalité dans l'éternité. Et ça fait tout le monde qui croit dans Jésus, il croit. Même Jean Jésus est mort, il est ressuscité. Nous même tous, les nous mourir, nous va gagner pour nous ressusciter. Frère moi, sœur moi, Jésus-Christ le vivant, il remporte la victoire pour nous. Je dis à tout le monde qui croit dans Jésus, la Bible dit, eh bien, yon même yon besoin de croire que yon même tout yon va gagner pour yon ressusciter. Nous pas servir un Jésus qui est dans la tombe, mais nous servir un Jésus qui est ressuscité. Non seulement gagner évidence de la résurrection de Jésus, non seulement l'important que Jésus est ressuscité, mais moi je dis tout, la résurrection de Jésus lui gagne des implications pour nous. Parce que tout avenir nous dépend de la résurrection de Jésus. Toute promesse que mon Dieu fait, qui se base foi nous, yo dépend de qui ça? Yo dépend de la résurrection de Jésus, Jésus qui est vivant. Première implication, même Jean, Jésus-Christ te dit qu'il va gagner pour le mourir. Et sur le troisième jour, il va gagner pour le ressusciter. Promesse ça, il était accompli. Même Jean, nous-mêmes, tout, nous besoin connaître que promesse qu'elle fait nous, l'a pas accompli. Dans Matthieu chapitre 20, regardez avec moi, Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19. Regardez côté Jésus-Christ a annoncé déjà sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu chapitre 20, verset 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus t'est déjà annoncé qu'il t'a gagné pour lui mourir. Il t'a gagné pour lui ressusciter. C'est promesse ça qu'il te fait à disciple. Regardez qui promesse qu'il fait nous tous. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus-Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ pas ressuscité, promesse ça, il va cramper sur rien. Mais parce que Jésus ressuscité, il est vivant, s'il dit il est là avec moi, je ne suis pas capable de croire. Les m'a dormi, il est là. Les m'a monté, machine dans, il est là avec moi. Les m'a travaillé, il est là avec moi. Les m'a marché, il est là. Parce que il n'est pas dans le tombeau, il est vivant. Nous sommes capables de croire dans la promesse. Deuxième implication, la résurrection de Jésus-Christ, il prouvait que le royaume éternel de Dieu, il peut gagner pour le gouverner par un Christ vivant et non par un imposteur ou un faux témoin ou un faux prophète. Moun qui va gagner pour roi dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ vivant, c'est pas Jésus-Christ mort. C'est deuxième implication. Contrairement à Jésus, on nous garde des hommes qui créaient, qui fondaient des grandes religions du monde. Si vous prenez, par exemple, Moïse, c'est le fondateur du judaïsme. La Bible dit, Moïse mourit, Moïse était encore qui côté? Dans la tombe. Mahomet, le fondateur de l'islam. Mahomet mourit, Mahomet jusqu'à présent, il est dans le tombeau. Bouddha qui fondait le bouddhisme. Bouddha mourit, Bouddha encore dans la tombe. Mais Jésus-Christ,
le fondateur du christianisme, les mêmes seuls qui mourent et Jodia qui vivant. Nous avons raison pour nous croire dans Jésus. Les grands hommes politiques qui marquaient l'histoire du monde politique, ils ont mouru et ont encore gisé dans la tombe. Jules César, cet homme politique romain, qui est devenu grand empereur romain, qui a fait la conquête de la Gaule de 58 à 51, son empire s'étend tout autour de la Méditerranée. Jules César mourit, Jules César encore dans la tombe. Surprend le roi Louis XIV, le roi de France, surnommé le roi Soleil, et son règne qui a duré près de 72 ans. Eh bien, Louis XIV mourit, Louis XIV encore dans la tombe. Napoléon Bonaparte, c'est un empereur français qui a créé la Banque de France. Eh bien, Napoléon Bonaparte mourit, Napoléon Bonaparte encore dans la tombe. Adolf Hitler, eh bien, c'est un homme politique allemand. Adolf Hitler mourit, Adolf Hitler encore dans la tombe. Mais qu'un seul personnage de l'histoire qui est mort et qui est vivant depuis plus de 2000 ans, Jésus-Christ a déclaré, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est ça que fait moi-même avec vous. Nous croyons en lui. Nous ne croyons pas, eh bien, dans lui seulement parce que lui est fondateur du christianisme. Parce que le christianisme, il y a une différence par rapport aux autres religions. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais le christianisme, il est allé au-delà de la religion. Le christianisme, c'est une relation, c'est la vie de Jésus, c'est la relation « je tue », c'est la relation entre moi-même avec Christ. Jésus-Christ qui vit en moi, ce n'est pas moi qui fais effort pour me chercher, mais c'est lui qui vient chercher et qui a une relation de symbiose entre moi-même avec lui. C'est ça que fait le christianisme. Il dit que c'est plus qu'une religion. Mais le christianisme, c'est un mode de vie. Le christianisme, c'est une relation entre le croyant et son Christ. Frère-moi et soeur-moi, Jésus-Christ, il n'est pas mort, il est vivant. Et comme troisième implication, résurrection, Jésus-Christ là, il garantit propre résurrection nous. Si Jésus-Christ pas vivant, eh bien nous-mêmes, nous avons mouru, nous avons encore été dans la tombe. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 53. Regardez ce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 53, concernant la résurrection des croyants. Il dit, non, verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Même Jean Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux. Lorsque trompette va sonner, lorsque il fait appel à moun qui mourit dans Christ, la Bible dit nous va gagner pour nous ressusciter. Et l'apôtre Paul encore confirmé aux Thessaloniciens. Il dit, les trompettes n'ont pas sonné, mort, Christ, il va ressusciter premièrement. Et les gens qui va croyant, qui vivant, il va transformer pour nous rencontrer Jésus dans les airs. Si Christ n'est pas ressuscité, pas d'espoir pour vous après la mort. Vous connaissez la mort et tirez tout espoir. Combien nous avons crié, la mort fait nous crier. Combien de deuil que nous subissons à cause de nos proches qui mourent. Mais qui te dit un bagage, la Bible dit, les gens qui mourent dans Jésus, ils ont défoncé nous. Mais les trompettes dans sonné, nous ne voyons pas. Même si mourir, on va gagner pour eux. Même si on mourit, on va gagner pour moi. Il suffit qu'on croit dans le Christ ressuscité. Parce que Christ ressuscité, on va croire que bon Dieu va gagner pour ressusciter autour d'entre les morts. Autre implication, la puissance.
urgence avec laquelle bon Dieu a ramené Jésus à la vie pour intervenir, lui-même tout l'a fait intervention pour la vie à corps mortel nous ou bien pour transformer nous. C'est ça qu'elle dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Et enfin, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le témoignage de l'évangile. Ou pas capable de croire dans le Christ ressuscité pour pas témoigner l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous avez été sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Donc, la résurrection, c'est le message, au cœur du message de l'évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, vous pouvez le présenter au l'évangile de mort. Mais parce que Christ est ressuscité, vous pouvez le présenter au l'évangile de Christ qui est vivant. Donc, le message de l'évangile, c'est le message du Christ ressuscité. Frère, moi, est-ce que nous croyons, matin, que notre Sauveur n'est pas mourir, mais il est vivant? Eh bien, je vous dis à lui, nous, la Bible dit depuis plus que 2000 ans, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et matin, nous avons célébré, nous avons commémoré cette grande victoire qu'est la résurrection. Si, après que les disciples ont fait mourir Jésus-Christ crucifié, ils ont tous quitté Jésus et ont été allés à l'occuper de l'activité. Le message de la résurrection était transformé la vie. Lorsque l'apôtre a été ouais, effectivement, que Jésus-Christ est ressuscité, ça t'a transformé la vie. Il est devenu un autre monde. Nous songeons Thomas qui était un sceptique. Les Thomas ouais, Marc qui ont vrai. Thomas ouais que face à cette évidence, il n'est pas capable de croire. Regardez comment le message de la résurrection t'a transformé la vie. L'apôtre Pierre fut cruellement fouetté, puis crucifié, tête en bas. Parce qu'elle te croit, même s'il mourit avec Jésus, gagne espoir après la mort. André, t'es crucifié lui-même tout. Si on croit, elle te fait un X. Il t'a accepté tout ça. Parce qu'elle te croit, la mort, pas retirer tout espoir avec Jésus, gagne espoir après la mort. Jacques, le fils de Zébédée, il t'a coupé tête lui. Il t'a accepté tout ça. Parce qu'elle te croit dans le message de la résurrection. Matthieu, apôtre de Jésus, il était décapité, il était croyé dans le message de la résurrection. Parce que les gens qui croient dans le message de la résurrection, l'amour parfait au cœur. Jacques, le frère du Seigneur, il était jeté du haut du temple, puis il était rouillé des coups. Et il était mourir à cause de ses blessures. Il était accepté tout ça parce qu'il était croyé dans le message de la résurrection. Matthias te lapidé et puis on décapité lui. Marc te, on te traîné lui à terre jusqu'à ce qu'elle te mouri. Paul te décapité. Jude te crucifié. Barthélemy, on te battu, on crucifié. Luc, on te pendu. Jean, on te jeté lui. Non, il y a un récipient qui était rempli avec l'huile bouillie. Et puis il y a exilé lui dans l'île de Patmos. Et Thomas, on te transpercé lui. Ils ont pris une lance, ils ont rentré dans le corps et c'est comme ça qu'ils ont mouru. Ils ont accepté tout cela parce qu'ils connaissent que Jésus-Christ dit « Vous avez peur, ça qui a tué l'homme, mais pas peur, ça qui a tué le corps. » Avec Jésus, même les nous mourir, nous triompher. Comme les gens qui croient que le message de la résurrection, c'est un message de victoire. Combien de monde qui croit matin que dans Jésus, ils ont gagné une victoire. Allez avec cette victoire. Vive l'évangile. Vive la vie de communion avec le Seigneur. Et si ça t'a arrivé, que nous ne voyons pas encore, le rendez-vous est classé. Tout le monde qui mourit dans Jésus,
lorsque ton père l'a sonné, nous va ressusciter. Que le Seigneur nous bénisse. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'espoir du Cap Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.